Ma dernière année à Wall Street, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais furieux parce que ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfants, pas de dettes à rembourser, aucun but philanthropique. Je voulais plus d'argent pour exactement la même raison qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre. J'étais accro. Je savais déjà que je voulais être riche. Mais quand j'ai commencé, j'avais une idée différente de ce que la richesse voulait dire. À 22 ans, quand je suis monté pour la première fois à l'étage du trading et que j'ai vu les grands écrans plats lumineux, c'était comme si les traders jouaient à un jeu vidéo dans un vaisseau spatial. En gagnant à ce jeu vidéo, on pouvait devenir ce que je voulais le plus, être riche. Argent, pouvoir, addiction. Pendant 8 ans, Sam Polk a vécu le quotidien du loup de Wall Street. Argent, pouvoir, addiction. En nous le vend comme le rêve ultime. C'était pendant le crack boursier de 2008, une période effrayante. J'avais toujours fixé mon attention au-dessus de moi, sur les gens qui avaient plus que moi. Et là, pour la première fois, c'était comme si je me tenais debout en haut d'un building sur le bord et que je voyais en dessous de moi le reste du monde. Et j'ai réalisé que j'avais mené jusqu'alors une vie incroyablement égoïste. Sam Polk a abandonné la finance, quitté New York et créé une association d'aide aux plus pauvres dans le sud de Los Angeles. Mais l'histoire n'est-elle pas trop belle? Sam Polk n'est-il pas qu'une exception? L'homme est un loup pour l'homme, ont écrit des générations de philosophes. Et l'histoire du monde semble écrite pour illustrer cette phrase implacable. Pourtant, des voix s'élèvent contre cette vision de la nature humaine. Des scientifiques issus de disciplines aussi différentes que la psychologie, la primatologie, les mathématiques ou les neurosciences. Ils inventent le vocabulaire d'une autre histoire. L'altruisme et la coopération en sont les maîtres mots. À l'heure des défis planétaires qui appellent des changements radicaux, connaître la nature profonde de l'homme, ange ou démon, permet d'imaginer des outils plus efficaces pour provoquer ces changements. So, long life to the altruistic revolution. Viva la revolution del altruismo!